Aujourd'hui pour votre quotidienne, nous sommes à Dives-sur-Mer, à côté des célèbres halles de Dives-sur-Mer. Nous allons déjà découvrir le salon du livre d'artiste qui a lieu jusqu'à ce lundi midi. Serge Chamchinov, bonjour. 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 Vous êtes l'organisateur donc de ce salon du livre artistique, c'est ça? C'est une idée qui vous vient de 2006, vous avez commencé en 2006. Pourquoi vous avez souhaité créer ces rencontres? Donc ça s'appelle le livre d'artiste. C'est pas le livre d'artiste, mais c'est le livre d'artiste. Moi, je participe à pas mal de salons en Europe, qui sont les salons spécialisés du livre d'artiste. Et en 2006, avec quelques amis artistes, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose en Normandie? À cette époque-là, j'ai été à Dives-sur-Mer, donc c'est-à-dire j'ai habité dans cette ville magnifique avec ses halles et tout. Donc j'ai demandé à la mairie la possibilité d'accueillir les artistes de différents pays, parce que ce sont ici, sur le salon, ce sont les artistes de différents pays. Oui, de toute l'Europe. De toute l'Europe, oui. Notamment, beaucoup des Allemands. Dès le début, on est suivi par les artistes allemands, les Italiens, les Belges. Donc, c'est plutôt les pays qui sont vraiment dans l'esprit de livre d'artiste. Qu'est-ce qu'on appelle un livre d'artiste? Livre d'artiste, c'est le livre qui est fait par l'artiste lui-même, de A à Z. Soit sans texte, soit avec le texte. Mais c'est le livre, disons, livre peint au début. Comme on peut voir ici. Voilà, ça c'est les livres faits par l'artiste Nikolaus Werner, qui est venu de l'Allemagne et qui fait les livres installation. Aussi, ça c'est une autre facette de présentation du livre. C'est pas seulement les livres qui sont sous la couverture, mais aussi installé. Donc, mais il peut être le livre, il peut être plié et mettre dans la couverture, mais présenter en forme d'installation spatiale. C'est ce qu'on peut voir ici, voilà, la forme d'installation spatiale. Voilà, donc là, c'est la journée du lundi, c'est la journée pour les enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de présenter tout ça. Voilà, aux enfants. Absolument. Dès le début, lundi, c'était pensé comme la journée professionnelle et scolaire. Donc, on a les bibliothécaires qui peuvent venir lundi seulement, et on a beaucoup des écoliers qui viennent aussi pour apprendre qu'est-ce que c'est le livre d'artiste. Il y a des ateliers, notamment l'atelier de l'écriture, l'atelier de création du livre, parce que parfois on fait, les artistes ils font eux-mêmes les livres sur place. Quelles sont les techniques utilisées, j'imagine qu'elles sont, elles sont multiples? Voilà, il y a beaucoup de techniques utilisées par les artistes, mais c'est plutôt les graveurs. D'accord. Qui font les livres, parce qu'avec les graveurs on peut faire quand même un petit tirage. Mais il y a un côté assez spécifique, assez bien, c'est les livres uniques. C'est les livres peints par l'artiste lui-même. Donc dans ce cas-là, c'est soit un seul exemplaire, soit deux ou trois exemplaires seulement. Donc il y a les livres-objets aussi, dans l'esprit du livre d'artiste. Il y a cette idée de présenter les livres en forme de sculpture. Mais voilà, les artistes qui sont venus là, donc ils font aussi à la manière visuelle et sonore. Donc c'est à la fois l'installation qui représente les livres, qui a le côté l'écran et les sons, qui en même temps on peut lire, on peut écouter le contenu. Voilà des œuvres de Claire Hughes. Claire Hughes que nous allons justement rencontrer. Claire Hughes qui est l'invité d'honneur, on va dire, de cette manifestation. Claire Hughes, vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail? C'est de la gravure, c'est ça? Alors je ne suis pas un éditeur vraiment, parce que je suis surtout un artiste graveur qui fait du livre aussi, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a une différence vraiment entre éditeur et artiste graveur. Oui, le métier d'éditeur est quand même un métier particulier. Je ne me considère pas professionnelle de l'édition.
Et donc, je m'intéresse aux livres en relation justement avec l'image. Et l'image lue m'intéresse beaucoup. Il y a certaines de mes gravures qui sont des gravures à lire, comme celle-là, par exemple. C'est une gravure qui fait 4 mètres et qui était beaucoup trop long pour être présentée en mural. Et donc, présenter un livre, ça présente l'avantage d'être non seulement regardé, mais lu à l'horizontale, avec l'acuité de perception que demande la lecture. Et donc, comment vous faites pour justement la gravure, quelle est votre technique ? Il s'agit de gravure en taille douce, donc qui est gravée à partir de matrices en métal, cuivre ou zinc. D'accord. Ici, par exemple, vous en avez accroché dans une présentation murale. Là, j'ai beaucoup de chance parce qu'en tant qu'invité d'honneur, j'ai pu avoir 4 grilles pour présenter mon travail de gravure, en plus de mon travail de livre. Donc les deux sont mis en regard et pour moi c'est très important parce que l'un nourrit littéralement l'autre et je ne pourrais pas séparer les deux activités. Justement, comment vous travaillez à partir de textes ? Ce sont généralement des textes que je choisis, sauf dans ces deux cas-là où ce sont des auteurs qui ont écrit sur mes gravures. Ce sont des pièces uniques ? Elles ne sont pas uniques, elles sont un tirage limité. D'accord. Ici par exemple, c'est une édition à 45 exemplaires. Ici, on est à 22 exemplaires, c'est parfois très limité, donc on est dans l'édition de luxe, il faut bien le préciser quand même. Un papier particulier ? Papier qui est utilisé d'habitude pour la gravure, c'est-à-dire généralement BF Carive ou bien Arche. Donc ce sont les papiers qu'on utilise en général pour les éditions d'art. D'accord. Gros travail, mais vous passez combien de temps par exemple sur un livre ? Un livre, ça met 2-3 ans à être terminé. En général, je conçois le livre, je fais la maquette. Et je conçois aussi les gravures, je les grave, donc je les fais et je les imprime en totalité. Donc heureusement, la typographie, c'est pas mon travail, c'est un typographe qui s'en charge, parce que c'est vraiment un métier à part entière. Vincent Rougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce stand, avec toutes ces réalisations. Oui, tout à fait. Alors, c'est des réalisations co-auteur, puisque une première réalisation a été faite à la précédente biennale, il y a 2 ans, livre d'artistes de grands artistes du livre. Donc, vous animez des ateliers d'écriture toute l'année à Dives-sur-Mer. Et cette année, nous avons animé un atelier d'écriture avec des gens inscrits à la médiathèque, qui ont travaillé sur une des images de ce grand livre unique et artistique, international. Ça, c'est un livre, tout ce qui est dedans. C'est un grand livre qu'on appelle un Leporello. D'accord. Qui se replie, qui rentre dans sa boîte, que l'on peut déplier, installer ou qu'on peut lire comme un vrai livre. D'accord, très bien. Donc là, vraiment, c'est l'art de mettre en valeur les mots par le dessin. Vraiment. Mettre en valeur les mots, le dessin et l'auteur de ces mots. D'accord. Parce que chacun, toute personne inscrite a pu participer, écrire sa petite histoire, des petites choses fantastiques. Une enfant de 12 ans qui a choisi une des gravures du Leporello, une dame qui tricote. D'accord. C'est la conquête impossible. Le tricot, la couverture qui n'en finit pas. Donc voilà, c'est tout jeune. Très sympathique, tout c'est jeune, extraordinaire. On peut faire son petit livre tout d'artiste. Tout à fait. Ouais. Et des gens adultes, bien sûr, et des gens habitués à la médiathèque, et des... Comment vous travaillez justement dans votre atelier ? Comment vous réalisez ces... Alors moi, j'ai un vaste atelier dans le Perche. C'est très grand, 300 mètres carrés, avec des machines à coudre, machines à brocher, reliées. Et... Il faut savoir tout faire. Absolument, puisque tout est artisanal et c'est fait du début à la fin, soit à l'ordinateur, soit en composition typographique, où là, je me fais aider, j'ai quitté la typo. Et après, il y a la conception du livre, le poète, le peintre, la mise en page, le brochage, la distribution, la relation au libraire et la relation au distributeur. Et c'est difficile pour vous de vous faire une place aujourd'hui dans le livre ? Ouais. Très dur. C'est vraiment une activité dans laquelle les libraires souffrent, les éditeurs souffrent, puisque nous sommes trop sollicités dans notre époque de grande richesse, j'ose le dire, par 1000 autres plaisirs, vraiment. Donc le plaisir du voyage, des vacances, de tout. La littérature, qui jadis était le top niveau. Au 18e, 19e, pour un mariage, on offrait une Bible ou une armoire. L'importance du livre. À notre époque, les livres, on en achète tous les mois. Ils coûtent 3 francs 6 sous.
Le prix horaire d'une femme de ménage, vous avez un magnifique roman. C'est rien. Donc c'est pas toujours facile pour vous de faire une place justement à ces livres d'artistes. C'est voilà. L'intérêt aussi de ce genre de manifestation, ce genre de manifestation tout à fait. Où là vraiment on y retrouve des exceptions. Quand je vois ce qui s'est produit, ce qui était présenté ici, c'est extraordinaire de patience, de savoir-faire et amour. Vraiment l'amour du faire. Voilà, de très bien. Faire, est-ce que vous vous intéressez aussi à la musique? Oui, souvent. Oui. Une fois, j'ai publié l'an passé un livre avec un musicologue de Rouen où il y a le livre et le CD. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on ne peut pas passer à Dives-sur-Mer sans passer par la pâtisserie Dupont, notamment avec les macarons et pains de spécialité en attendant. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle édition de votre quotidienne sur Normandie TV. Maintenant, je crois que c'est l'heure de passer à table, justement. Il y a le restaurant Guillaume le Conquérant. On va aller le découvrir. En attendant, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures.